L'Aquitaine à la carte. L'Aquitaine se trouve au sud-ouest de l'Europe, ainsi qu'au sud-ouest de la France. Les régions limitrophes à l'est, au nord-est et au nord sont Midi-Pyrénées, Limousin, Poitou-Charentes. Le pays limitrophe à l'Aquitaine est l'Espagne. La région aquitaine s'appuie beaucoup sur le secteur primaire, l'agriculture, 16 958 emplois, ainsi que le secteur tertiaire, hébergement et restauration, 16 670 emplois. La capitale de l'Aquitaine est Bordeaux. La monnaie utilisée est l'euro. L'Aquitaine bénéficie d'un climat tempéré, une saison chaude, printemps-été, ainsi qu'une saison froide, automne-hiver. En 2009, la population de l'Aquitaine était de 3 206 137 habitants pour une densité moyenne de 77,7 habitants au kilomètre carré. Les nouveaux Aquitains viennent le plus souvent d'Île-de-France, environ 30% des entrées, de Midi-Pyrénées, 12%, et de Poitou-Charentes, 8%, sur une période de 1999 à 2004, pour les personnes de plus de 4 ans, source INSEE. L'Aquitaine comprend 5 départements, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. La Dordogne, 24, est située au nord-ouest de l'Aquitaine. En 1926, on compte 392 489 habitants, et en 2006, 404 052 habitants. En 80 ans, la population a augmenté de 11 563 habitants, soit 2,9% d'habitants en plus, source INSEE recensement de la population de 1876 à 2006. Ses produits locaux sont le foie gras, le vin, les cèpes, les noix, les fraises. La Gironde est située au nord-est de l'Aquitaine, c'est le numéro 33. En 1926, on compte 392 489 habitants, et en 2006, 1 393 758 habitants. En 80 ans, la population a augmenté de 1 1269 habitants, soit 255% d'habitants en plus. Source, INSEE recensement de la population, de 1876 à 2006. Ses produits locaux sont les huîtres, les vins, les cannelés, la lamproie. Le Lot-et-Garonne, 47, est situé à l'est de l'Aquitaine. En 1926, on compte 246 609 habitants, et en 2006, 322 292. En 80 ans, la population a augmenté de 75 683 habitants, soit 30,7% d'habitants en plus. Source, INSEE recensement de la population, de 1876 à 2006. Ses produits locaux sont le foie gras d'oie et de canard, le confit et les pruneaux. Les Landes, 40, sont situées à l'ouest de l'Aquitaine. En 1926, on compte 263 111 habitants, et en 2006, 362 827 habitants. En 80 ans, la population a augmenté de 99 716 habitants, soit 37,8% d'habitants en plus. Source, INSEE recensement de la population, de 1876 à 2006. Ses produits locaux sont les asperges, le kiwi, le bœuf de chalosse, le piment doux, les vins et les digestifs comme l'armagnac. Les Pyrénées-Atlantiques sont situées au sud-ouest de l'Aquitaine, numéro 64. En 1926, on compte 414 556 habitants, et en 2006, 636 827 habitants. En 80 ans, la population a augmenté de 222 271 habitants, soit 53,6% d'habitants en plus. Source, INSEE recensement de la population, de 1876 à 2006. Ses produits locaux sont le fromage, le miel, le piment d'Espelette et les jambons. Le Conseil régional d'Aquitaine est élu démocratiquement. Il est composé de 85 conseillers régionaux, 36 élus pour la Gironde, 17 élus pour les Pyrénées-Atlantiques, 13 élus pour la Dordogne, 11 élus pour les Landes, 8 élus pour le Lot-et-Garonne et est présidé par Alain Rousset, Parti Socialiste. Le Conseil régional siège 14 rue François de Sourdis à Bordeaux, quartier Mériadec, à proximité du cimetière de la Chartreuse, desservi par la station de tramway Saint-Bruno, hôtel de région, sur la carte le numéro 1. Le logo. Nous avons le A de Aquitaine. Il y a aussi la couleur bleue représentant l'océan Atlantique, littoral côtier, la Garonne et la Dordogne. La couleur verte représentant les forêts, très présente en Aquitaine. Les 5 branches, elles, représentant les 5 départements de l'Aquitaine, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ce logo est un peu cuculapraline, comme le dit le site « Un blason pour ma région », mais il a néanmoins le mérite d'être relativement clair, de ne pas avoir trop changé au cours des années. Il oublie cependant soigneusement toute référence aux couleurs et à l'emblème traditionnel de l'Aquitaine, qui est le léopard d'or sur fond rouge. Diaporama réalisé par Marie, Sarah, Adrien, Florian, de la classe de 3e.